Salut YouTube, nouvel épisode sur le scum. Donc du coup, depuis la dernière fois, il manque deux épisodes. Parce que comme d'habitude, j'ai fait de la merde. Hein. J'ai fait une vidéo sur le farming. Après, je suis passé sur le scum, mais j'ai oublié de changer sur OBS le jeu. Donc du coup, écran noir sur les deux vidéos. Donc il en manque deux. Tant pis, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc du coup, j'avais fabriqué mon petit ponton, tranquillou pilou. Voilà, c'est tout magnifique. Donc peut-être que je rajouterai une fondation là, puis une de l'autre côté, je sais pas, parce que là j'en ai un petit peu marre de construire. Donc j'ai fait toute la maison en bois. Donc améliorer les fondations, tout ça, tout a été amélioré au moins une fois. Donc c'est nickel. Après, je sais pas, faudra que je regarde si j'améliore encore une fois ou pas. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je vais aller me faire le petit bunker là-bas. À moins que j'aille chercher l'avion là-bas. Parce que, ouais, du coup, dans les épisodes qui manquent, j'étais passé là, je crois. Et j'avais vu que dans un des hangars, il y a un avion. Ah oui, mais il me faut des grenades. Hop! Des grenades comme ça, parce qu'apparemment ça, hop, si on appuie sur CTRL, ça dit que ça peut dispel les, enfin stopper les, pardon, ça peut stopper les robots, enfin je pense, donc faudra que j'essaye, mais il m'en faudrait plusieurs, donc il faut que j'aille en chercher, et je pense que je peux en trouver dans les bunkers. Donc, et quoi d'autre? Oui, du coup, j'ai trouvé un pick-up aussi en me promenant. Donc, je l'ai récupéré, il était là. Donc, il manque la porte arrière, il manque la porte là. Et puis, normalement, après, il est complet. Et, ah si, le siège passager. Mais vu que j'ai tout ça, je m'en fous un peu. Et ça, je pense que, il me semble que là, le vieux pick-up qu'il y a là, il y a le... Merde! Il y a la porte du coffre déjà, c'est sûr. Et il me semble qu'il y a la porte de droite ou le siège, je sais plus. Bref, faudra que j'aille voir ça. Du coup, est-ce que je fais l'avion ou est-ce que je fais le bunker? Bunker ou avion? Parce que l'avion, c'est pareil, je suis juste passé, j'ai vu de loin. Donc il faudra que je rentre dedans, que j'aille voir s'il y a de l'essence, s'il y a besoin de le réparer, tout ça, tout ça. Et j'ai vu chez le vendeur, les kits de réparation d'avion, c'est 11 000 balles. Et là, j'ai que 10 000 balles. Donc c'est un peu justos. S'il y a besoin de le réparer, je vais être dans le caca. Alors attends, du coup là-dedans, j'ai mis quoi? Normalement, j'ai fait tout le transfert parce que j'aime mieux le pick-up. Donc là-dedans, je crois qu'il reste des trucs à vendre. Exactement. Donc hop, on remet ça. Normalement, les sacs de droite, c'est ce qu'il y a à vendre. Ok. Et du coup, celui-là, je pense qu'il doit être vide. Ah oui, non, ça, c'est un stuff de secours que j'ai mis au cas où je meurs. Vu que j'avais prévu d'aller faire le bunker. Donc là, je pense que je vais remanger. Hop, la bidoche. Tout manger, ah, je suis dégoûté. En plus, j'avais fait de la chasse, de la pêche, puis les cultures aussi. Ça pousse bien la culture. Je commence à récolter. Donc là, tous les légumes, c'est prêt. Ça récolte déjà. Donc la laitue, c'est bon. C'est pas de la citrouille, c'est du chou-fleur. C'est bon aussi. Les patates, je pense que je les enlèverai parce que je peux pas les manger crues. Du coup, là, ici. D'ailleurs, ça dit quoi? Il y a toujours de l'engrais. Ouais, c'est bueno. Donc les arbres, c'est un petit peu plus loin à pousser, mais ça pousse, c'est cool. Est-ce qu'il y a de l'herbe? Est-ce qu'il y a de l'engrais? Hop, a priori, c'est tout bon. C'est nickel. Et puis la ganja, ça pousse bien aussi. C'est pas encore prêt, mais là, ça dit quoi? Flooring. Donc, franchement, ils sont stylés. Hein. Ils sont stylés. Et puis là, du coup, j'ai mis du tabac. J'ai trouvé des graines de tabac, donc je me suis dit je vais en profiter parce que j'ai vu c'est où fabrication, objet, c'est où? Là voilà. Donc là on peut faire des clopes
Ici des ouinches et puis ici des méga joints. Donc avec du tabac et puis du. Voilà, faut du tabac et de la weed. Donc comme j'avais les graines, je dis bah autant que j'en plante, comme ça me fera du tabac et je regarderai après lequel se vend le plus cher. Bon allez, trêve de galijade. Donc ça déjà on va enlever. On va même réparer. S'il me reste des kits de répa. D'ailleurs, je vais regarder si je peux en refaire un. Parce qu'à mon avis, dans le bunker, je vais me prendre des tatanes. Même pas besoin de le fabriquer, c'est impeccable. On va en reprendre un autre tout neuf aussi, tant qu'à faire. Pilule, tout ça, c'est bon. J'ai de la bouffe, de l'eau. D'ailleurs, l'eau, on va la remplir. Au taquet. Hop, remplir avec le PET. Couteau, c'est bon. Oui, je me suis fait un Tech 9 aussi. Donc, j'ai mis silencieux et puis j'ai acheté deux chargeurs. Deux chargeurs neufs chez le PNJ parce que j'arrivais pas à en trouver. Les flèches. Est-ce que je prendrais pas des flèches Est-ce que j'en ai des flèches là? On fait 12 et 5 pour faire le bunker. Flèche en métal. Allez, soyons fous. De toute façon, si j'y perds, c'est pas grave, hein, c'est que du stuff, je pourrais en racheter ou en récupérer. J'ai pas acheté l'arbalète aussi encore. Par contre, ça, je vois 27%, c'est peut-être pas assez. Je vais me refaire une nouvelle babatte. Il me faut un clout. Hop, fabrication. Hop, une babatte. Bon, c'est moins efficace que l'épée en ferraille, mais bon, l'épée, vu comme elle dépop, c'est casse-couille, quoi. D'ailleurs, je vais même la laisser là, l'épée, elle ne me sert à rien. Je vais la laisser dans le pick-up. Non, parce que j'ai déjà une batte d'avance dans le stuff. Attends, ouais, faut pas que je la laisse par terre, par contre. Hop, et du coup, je vais réparer mon stuff avant de partir, comme ça je suis sûr que mon truc il est bien tout neuf. Ah, fait chier, du coup, deux grands épisodes d'1 heure en plus. C'est dommage, mais bon, j'avais dit, hein, les conneries, ça me connaît. C'est pas la première, et puis à mon avis, ce sera pas la dernière. Il n'y a pas à s'inquiéter. Oui, aussi, j'avais trouvé des armes. Donc je les ai toutes réparées. Elles sont toutes nickel. Enfin, il me semble. Et il n'y a que l'Iceval où j'ai toujours pas les chargeurs. J'en ai pas acheté parce que j'ai pas assez de points de gloire et le PNJ veut pas me les vendre. Je vois que ma bouffe là ça monte encore pas folichon, je vais boire un petit coup. Là il en reste. Puis la bouffe, je pense que ça va finir de monter le temps que j'ai bouffé une petite salade. C'est que la salade ça remplit bien l'estomac. Bon, toi, j'arrive pas à refaire monter le glucide, la fibre, le sucre. Avec je regarde quel aliment exactement il faut que je bouffe pour être bien. Bon, par contre, j'ai peut-être un peu trop mangé là, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai bien tout pris, hein. Non, j'ai zappé un truc. Hop, merci le freeze. Donc là, c'est du stuff de merde qu'il faudra que je revende ou que j'utiliserai en comment? À découper pour faire des chiffons. Puis là, c'est un petit stuff de secours que je me suis fait au cas où je meurs.
Attends, il y a des piles dans la Night Vision, ouais, c'est bon. Allez, let's go. Du coup, on est là. Faut que je remonte là, je descends là, ok. Bon, du coup, comme d'hab, je coupe et puis je vous reprends dès que j'arrive. Voilà, me voilà donc arrivé. Donc bah déjà un petit robot à l'entrée. Je vais poser le pull. Je vais mettre les visions à la place. Hop. Par contre, il a pas un gros trajet. Hein. Je vois déjà il y a un Z qui arrive. Ah, j'aurais dû prendre la grenade pour essayer, putain, le blaireau. Oui, le kéké. Donc j'espère que je vais en trouver dedans des grenades EMI, là, ou IEM, je sais pas quoi. Je voudrais vraiment tester sur ces robots-là, voir si ça les désactive ou pas. Parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc entre ce que je comprends et puis ce qui se passe réellement, des fois il y a une différence. Bon, tu fais pas un gros tour, non? Pour rentrer, ça va être compliqué. Vas-y, t'as pas envie d'aller te promener un petit peu là? Va faire un tour dans la pampa ou... Enfin, je vais pas m'approcher trop près parce que... Je vais essayer de passer... Il me semble qu'il y a des trappes. Ah, est-ce que là, ça va être compliqué de passer par la grande porte? Il me semble qu'il y a des trappes d'accès par le haut. Ah putain de frise. Allez, encore un robot ici. Ça va être compliqué. Hein. Et j'arrive pas à voir s'il y a une trappe ou pas. Qui arrive. Hop 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 gamin. Te calme. Ah, donc j'ai toujours envie de pisser à mon avis, voilà. Fais gaffe, l'autre il vient là quand même. Alors je vais me faire niquer, je serais même pas rentré dans le bunker. C'est que je sais pas du tout où elle est la trappe quoi. Putain, encore un. Oh, chiatique hein. Allez, viens.
Oh bah d'accord, complètement à côté la flèche. Oui bah c'est bon, tu vas mourir quand même. Ah, faut que je fasse gaffe, hein, le robot il est quand même pas très loin alors. Ah, puis je vois pas s'il y a une trappe ou pas. Il me voit pas là. Non, c'est bon. Bah tiens. Eu du bol. Encore un qui vient de zombie là, sérieux. Ah, faut que je fasse gaffe parce que dans les trucs comme ça, il y a les Bomberman aussi. Oula. Ah, vélo. Ah non, là, il devrait pas pouvoir me voir, je pense. Peut-être ici, hop, on va passer vite fait. Oh, on entend un pas loin. Effectivement, cachote-toi mon fio. Et puis ils vont vite en plus, hein. Copain. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Je fais gaffe aux fenêtres, par contre. Pas loin. Bon, en attendant, je vois pas si y a une trappe ou pas pour rentrer depuis le haut. Hop! Ok.
Hop! Vas-y, cache-toi. Oh putain. Il me semblait qu'il y avait une trappe quelque part là. Profitez pendant que... Ouais, elle est là. Cours, 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 cours. Vas-y, prends ton temps pour t'ouvrir, on n'est pas pressé. Ouais, les Bomberman, putain. Bon, déjà on est dedans. On s'en fout. Là, pour essayer de prendre un maximum d'items qui se vend. Ouais, c'est l'arc que je voulais prendre. Garder une arme à la main. Putain, va au fond. Les jumelles, ça tombe bien. J'en avais plus. Encore ouais, peut-être pas en prendre non plus 50 000. Bien que si, parce que comme on l'a vu... Enfin non, on l'a pas vu du coup. Mais j'avais paumé mes jumelles. Donc là, il n'y a qu'une porte, c'est celle-ci. Oh oui, t'as dit donc. Il est pas loin le Bomberman. Je la balancerai si je trouve autre chose de plus intéressant. Là c'est fouillé ça déjà, oui. Grenades fumigènes. Ah, peut-être que les grenades fumigènes aussi peuvent être intéressantes. Détecteur de métaux, ouais, on s'en fout un peu vu que je suis tout seul, je risque pas de trouver de coffre enterré. Enfin, je pense pas. Tout ça, on va peut-être prendre des gants. Un petit fusil, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a gaz ouais, je peux en trouver ailleurs, donc ça va. Et il faudrait que je pense aussi à me faire un airdrop quand même. Ouais, quand ça bip, ça veut dire qu'ils sont pas très loin. Chargeur de Hunter, c'est cool, j'en avais pas. Un. Bon, par contre, bye bye la flèche, forcément.
Yes, bah comme ça je vais pouvoir tester. Putain, je vais déjà plus guère avoir deux places. Whoop. One shot, ah non. Vite de gueuler comme ça là, tu vas faire appliquer tous les autres, blaireau. Ça qu'on s'en fout, poudre noire, je vais pas m'embêter avec ça, je peux en trouver ailleurs. Ok. Essayer d'économiser un peu les piles. Ici c'est quoi? Armory. Ah j'aime bien ces petites pièces, il y a pas mal de trucs dedans. Mais je prends, c'est verrouillé, trousse de couture, on sait jamais. Alors il me faut, est-ce que j'ai pris, est-ce que j'essaye, non, ça va faire du bruit. Il m'en faut une, deux, il me semble que là il en reste deux, donc il m'en faut quatre. J'ai déjà plus de place. Limite, faudrait que je retourne déjà la voiture. Hop, un Pékin. Allez, oh non, mais non, eh oh, c'est une blague ça. Bah, du coup, faut que je refasse une épingle. GGR Counter, ça va m'être utile pour aller faire la ville. Oh, mais ça, c'est bueno ça. Attends, je vais laisser le fusil à pompe à deux balles. Là, il me faut quoi en place? J'ai pas assez de place. Vas-y, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Cadenas, vas-y, on s'en fout. Chemise, c'est pareil. Scar DMR. Encore une place, hop. Ok. Ah, ça m'arrange pas, quoi. Là, c'est chargeur de quoi? Chargeur de Hunter 85. J'en ai une en plus, faudrait que je regarde. Vas-y, les jumelles, je vais pas en prendre deux, c'est bon. 92, 93, on va poser celle-ci. On va garder les plus... les moins abîmées. Encore ? C'est une blague. 69 et 71. Putain, ça fait chier de laisser ça, quand même.
dans le dernier, un lance-roquettes. Non, M249. Alors, à mon avis, faut beaucoup de place. Ça, j'en trouve beaucoup. On va poser ça, c'est pareil. Non, ça, je garde impératif. Pied de biche, je peux en trouver ailleurs, je pense. Gégère, faut que je garde. Vas-y, ça on dégage. Gardez. Merde. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais, Féfé? Ah, si, ça devrait pouvoir tenir. Quand ça dégage. Ok, avec la M249, il va me falloir un chargeur. Ça. Je peux les combiner. C'est quoi les petites balles de merde? Je vais les dégager parce qu'au pire je pourrais les crafter. Chargeur 357, je vais jamais m'en servir. 45 ACP, ça dégage. Ça faut que je garde quand même. Chargeur bloc 21, on s'en tamponne l'asticot. Ouais, au pire, il me reste encore un peu de place ici. Mais j'ai même pas fait un quart du bunker, je suis déjà blindé quoi. Ah bah tiens, nickel. Ça c'est pareil pour la Hunter 4 en carbone là. Il me semble que j'ai trouvé un viseur pour la Hunter en carbone, mais il me semble que j'ai pas de chargeur justement. Bah, moi que j'en ai trouvé un, je sais plus. Là il reste quoi? Des balles. Putain, ça fait chier de laisser des armes par contre. Sûr que ça peut pas tenir ici. Ça se revend cher quand même. Allez, putain, j'ai plus de place. Je vais plutôt prendre l'arc dans la main. Ici, bah, ça va être que de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a? Chocolat. Nacho épicé. Ah, je pense que ça va peut-être me faire monter mon glucide de nacho. On n'oublie pas de reprendre l'arc. Sont ouvertes. Putain, les zombies ont déjà respawn. Ah, chaud quand même. Ah, imagine en PvE, en PvP avec un arc pourri et puis les autres joueurs. Un enfer. Non, du coup, on va faire demi-tour. Ah, je suis déjà passé là. Ok, je suis arrivé par là. À mon avis, là-dedans, je trouve que de la merde. Heureusement que j'ai l'arc à poulie avec les flèches en métal. Hein. Mais là,
ici, ça va où? Ah, et après cela, ok. Je me souviens. Ça, j'ai fouillé. Là, ça va, ok, là d'où je viens. Bah ouais, c'est de l'autre côté là-bas où j'étais. Fermer la porte. Et là, du coup... Ok, c'est pour de la bouffe. Et là, c'est pareil. Normalement, niveau bouffe, on est bien. À la limite, un petit truc à boire. Ouais, 19%. Il y avait, ben voilà, il y a de l'eau tout simplement. On ne boit pas trop non plus. Parce qu'après, c'est un coup à faire pipi partout, ça. Ouais, c'est bon, les calories sont en train de remonter. Bah tiens, regarde donc. Elle va pas vouloir les prendre. Ah, les zombies ont déjà respawn quoi. Donc ok, ça c'est la salle au début où je suis arrivé. Oh bah dis donc, t'es tout bugué dans le sol toi. Ah non, dépop pas ma flèche. Oh la loose. Bon allez, on va le laisser, je vais pas me faire chier à le fouiller. Donc là du coup faut que je descende maintenant. Oh, chargeur MP5, impeccable. Parce que j'en ai une d'MP5, mais j'ai pas de chargeur. Et pareil, le vendeur, bah, j'ai pas assez de points de gloire encore pour pouvoir lui acheter les chargeurs de MP5. Ah, joli. Ah, et encore un Bomberman. Bien me débarrasser du Bomberman. J'ai l'impression qu'il a pop en haut.
Ah, il a du pop en haut, je pense. Après, s'il y en a que en haut, moi personnellement, ça me va. Donc, est-ce que j'ai le droit maintenant d'ouvrir le placard ou pas? Faut qu'il pisse forcément. Ouais, juste pour un holster en plus. Donc ouais, le Bomberman, je pense qu'il doit être en haut. Grenade étourdissante, pourquoi pas. Vu que je suis tout seul, je pense que ça fonctionne que sur les joueurs. Oh! Carquois militaire, ça j'achète par contre. On va poser ça là. On va mettre, bien sûr, on n'oublie pas de... Ah ouais, trois emplacements. Ouais, ça c'est pas grave, ça reste là. 308, 300, 308, je sais plus pour quelle arme c'est. Ah, hop, ça me fait de la place de toute façon. Clopaille, 4 machins pour crocheter. Ta limite, faudrait une brouette pour faire le bunker, tellement il y a de loot. Hein. T'as rigolé comme un âne. Arc à poulies, on récupère. Ça, des grosses balles, on va les prendre. Ah! Parce que ça, je sais que j'ai des chargeurs. Il me semble j'en ai deux. Elle est un peu plus petite en plus. Bon, tant pis, je suis obligé de laisser des armes, hein, pas le choix. Une autre MP5. Eh mais attends, j'ai halluciné ou... Non, il y a bien un arc là. Putain, fait chier de laisser ça. Encore une AK. Ah non, j'ai plus de place. Hein. Faudrait que je fasse un aller-retour à la voiture pour vider. Mais c'est dangereux, dangereux, hein. Ah là, c'est de la bouffe. Bien que ça, on va y prendre parce que c'est de la super bouffe.
rentrer en couloir. Tu sais quoi, je vais. Ah, faut que j'aille vider à la voiture, hein. Ça sert à rien que je fasse le reste alors que j'ai plus de place. Regarde si je le vois pas passer à travers l'autre porte de l'autre côté. Ah, il doit être au même endroit que tout à l'heure, je pense. Ah, ça sert à rien que je m'acharne. Sans le temps que j'aille vider et que je revienne, à mon avis, il aura respawn. Maintenant, le but, c'est de sortir sans se faire tuer. Par contre, là, j'espère qu'il va pas me laisser l'arc par terre. Non, c'est bon. Non, 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 non. Je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. C'est bon, je suis parti, regarde. Putain, je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi rapidement que ça, le pélo, là. Youh! Pourquoi je vais là, moi? Enfin, oui, si, je vais visiter là-haut. Parce qu'il y a souvent... C'est là-dedans que j'ai trouvé les hunters, je crois. En fait, toi, je voulais pas sortir du bunker aussi rapidement. Je voulais regarder un petit peu avant ce qui se passait à l'extérieur, mais bah, il est sorti direct. J'ai eu de la chatte là quand même. Et du coup, je vais essayer ma grenade là, voir si ça les désactive ou pas. Je vais déjà les vider. Et comme ça, si ça le désactive, hop, je peux rentrer rapidou dedans. Quoi, je vais même pas me faire chier à remonter, je vais essayer de passer directement par l'entrée principale. Si la grenade fonctionne, le robot sera désactivé. Et la fumigène, je sais pas si les robots peuvent tirer, s'ils nous voient à travers les fumigènes. Faut que j'essaye tout ça. C'est bien, je suis refait en armes. Tu es sérieux, il n'y a plus de place dans le sac. Non mais range-moi ça comme il faut aussi, bourrico. Gourde, on s'en fout, je vais la garder. Sur moi. Non, ça sera à vendre. Là, c'est tout ce que je vais garder. Non, ça sera à vendre aussi. Il reste de la place dans celui-ci. Pas sûr. Non, ça rentre pas. Non, ça c'est le stuff de secours. Tant pis, on va y mettre à l'arrache dans la vago. Tu te calmes. Non. Mauvais bouton.
reste encore à vider. Donc les deux grenades, je garde pour tester. Ça, je pose ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, on remet en un et je vais pouvoir poser l'arc. Par quoi je vais commencer? Prendre la fumigène avant de désactiver le robot. Ah, il va boire, c'est même pas la peine. C'est de la grosse daube, les fumigènes. Hein. Je pensais que ça allait faire un gros nuage bien opaque. Fini, donc grenade fumigène, c'est même pas la peine d'y penser, ça fonctionnera pas. Ça peut être bien à la limite pour le PVP, et encore, vu comme le nuage est pas très opaque, t'avais pas de la thune dans un chiffon que j'ai vu. Donc, du coup, cette merde. J'aurais pas dû passer. J'aurais dû attendre qui. Combien de temps? Donc ouais, ça marche, mais c'est léger quand même, hein. Enfin, il reste pas désactivé très longtemps, hein. Pour sortir l'avion du hangar, ça va être juste, hein, putain. Je sais pas comment je vais faire, à moins que bah faut que je détruise les robots au pire. Hop, comme ça j'ai niqué tout le monde d'un coup. Oh bah ouais, je pense que pour les... Attends. Aiguille, ok, on s'en fout. Pour sortir l'avion, je pense que j'aurais pas le choix que de péter un robot. Ouh, ça je prends. J'ai de la place, je vais commencer à récupérer quand même des petites munitions. Eh, j'ai dit récupérer des munitions. Grenade fumigène, du coup on s'en bat les couilles. Oh bah ça j'apprécie, merci. Ça pouvait me donner des flèches en carbone, ça serait encore mieux. Bah, c'est pareil, n'hésite pas à stacker, hein, fais-toi plaisir. Veste de camouflage. Ouais, c'est blanc, c'est pourri, j'aime pas. 94%. Et celui-là, 58%. Ouais, c'est le même, ok, nickel. Il reste des conteneurs à vider là. Ça, j'ai fouillé. Ça, j'ai fouillé. Ah, ce qui serait cool, c'est que je retrouve une petite greu-greu là, IEM, pour sortir, ça pourrait être pas très pratique.
Ça, c'est le... Ouais, ok, là, on s'en fout. C'est de la boue, on s'en fout, de la boue. Hop, 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 hop. Ah, je prends la confiance, là, je commence à aller vite, et puis... Tu vois que je vais me faire surprendre par un Bomberman. Et je vais décéder prématurément. Continuez d'y aller tranquille. Les pipi room. Normalement, ah bah tiens, ça c'est pas que j'en avais plus. On va la mettre là. Sérieux, le truc il a respawn déjà? Merde. On a un autre. Tiré d'un peu près là. Hein. Putain, tu sais trop en plus. Heureusement que j'ai des bandages. Bon, un deuxième, il faut même que j'en sorte un. Ah, ils pètent fort ces enculés. Ça là, dans les couloirs, c'est pas facile. Il va falloir que je m'en claque un deuxième. Putain, il me faut encore un bandage. Attends, je vais pas utiliser un. Il m'a fait peur, Squid. Il y aurait pas un truc pour faire du tissu là? Putain, mais tu as le poser au sol, oui. Bien que ça se trouve, je vais même pas pouvoir le prendre. Putain! Voilà. Du coup, là, je pense que c'est tout bon. Et par contre, je boite un peu. Douleur, est-ce qu'on n'aurait pas de l'antidouleur? Antibiotique, antidouleur. Ouais, antidouleur, mais il boite quand même. C'est bon, je suis là que j'en bouffe. Bah, je pense que j'ai fait le tour. Hein.
Après, il y a la box là, mais j'ai rien pour ouvrir donc. Ah, puis la jeu boîte, ça va être la merde pour sortir. Va falloir que j'attende que ma blessure soit guérie. Ah, j'ai pas fait le couloir là. Ou si, je l'ai fait. C'est là où je suis pas allé. Alors? Putain, pourquoi il veut pas tirer ton âme? Mais non, j'y crois pas. Bon, bah voilà, plus qu'à revenir à patte. Essayer de rentrer. Ouah, puis tous les zombies vont avoir respawn et tout. Pff, ça va être un calvaire. Je pense que je peux dire bye bye au stuff. Déjà voir là où je ratterris après apparition B4. Je suis où? Ouais, je suis pile à côté de pont. Il est où ce putain de bunker? Je crois qu'il est là. Faut que j'aille au nord. Hein. Yes. Putain, j'ai pas compris pourquoi il a pas voulu tirer là. C'est parce que bah non, il était blessé à la jambe. Ouais non, te pose pas dedans. J'ai eu un coup de chaleur là. Faut que j'aille chercher un... Au moins une arme, parce que je pense que les zombies ont respawn. Ah, puis là par contre j'ai pas de grenade pour passer donc faut que je refasse tout le tour. Là j'aurais dû me barrer que de me faire chier à... Parce que je crois que la porte est ouverte au pire. Non, 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 non. Je crois que si... Ah non, j'ai fermé la porte. Faire passer par là. Je pense que ce sera plus prudent, ce sera un petit peu plus long, mais tant pis. Celui-ci, c'est bon. L'autre, il est où? C'est là. Ah, l'entrée est juste là-bas.
Allez, rip, gamin. Ah, j'ai pas pensé au Bomberman. S'il vient, je suis mort. Ah, il est là, putain. Dégage! Non, 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 non! Eh, va te faire enculer. Oh, bah, je pense que le premier stuff, il est perdu, de toute façon. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sauf j'en ai récupéré. Ah, et par contre, il y avait l'arc. Putain, deux arcs! Faut que j'en rachète un, t'es sérieux? Non, c'est pas possible, faut que je retrouve mon stuff. Allez, refais-moi spawn au même endroit, ce serait gentil. Yes, papa, juste à côté. Par contre, 1h10 de vidéo, j'avais pas vu. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais couper, tant pis, je vais finir tout seul de mon côté. Parce que là, sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, encore une fois. Ça, déjà, j'ai de la chance, je respawn à côté du bunker. Ah, j'aurais mieux fait d'arrêter et puis d'aller faire l'airdrop là. Je crois que j'aurais gagné mon temps. Ouais, en plus il va commencer à faire nuit, j'ai plus les night vision. Et puis ça freeze. Impeccable. Tout qui va bien. C'est bon, j'ai le droit de jouer là ou... Direct en haut, mais de toute façon, ouais, faudrait que. Putain, il aurait fallu que je chope l'arc, j'arrive à le sortir. Ça m'aurait fait un arc de secours, ça aurait été nickel. Oh, puis le carquois militaire aussi, oh non. Première fois que j'en trouve un, quoi. Ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Bon, bah en tout cas, bah je m'arrête là pour cet épisode et je vous dis à la prochaine. Tchuss!